Vous en avez certainement déjà pris l'habitude, c'est depuis 3 ans que Vlisco organise chaque année le prix Mois de la Femme. Et cette année, le rendez-vous est déjà pris avec nos nominés. Au cours de votre émission Femmes allées à découvrir qui sont ces femmes, pourquoi elles ont été choisies et pourquoi pas leur vision. Et déjà pour ce numéro, nous recevons sur ce plateau Sarah Lusenge-Ziavake. Bienvenue sur ce plateau. Merci à vous. Alors, comment vous préférez que l'on vous présente? Pour le moment, on m'appelle Sarah Lusenge-Ndiavake, comme vous venez de le dire. Je suis juriste de formation. J'ai été coordinatrice de femmes juristes pour les droits de la femme au niveau de la province du Nord Kivu, plus précisément à Beni. J'ai été également secrétaire à la société civile du Nord Kivu, toujours à Beni, et chargée de programme au sein de l'organisation SAD. SAD qui veut dire Solidarisation pour le droit et le développement. Et en ce moment, je suis chargée de programme et je suis juriste conseil. Ça vous fait plusieurs casquettes, madame. Oui, ça me fait plusieurs Est-ce que casquettes. c'est ce qui justifie même votre nomination au sein de ce concours organisé par Blisco depuis un certain temps? Oui, je pense que c'est ce qui justifie ma nomination. Et puis, Vlisco, en venant me rencontrer, m'a dit que j'avais été nominée, c'est en fonction des œuvres sociales que je pose en faveur de la population, surtout en faveur des femmes vulnérables et des enfants. Alors, par quels moyens? Quel est le support que vous utilisez? Il faut rappeler que vous êtes de Goma. Ça, nous ne l'avons pas dit au début. Vous venez de Goma. C'est vrai qu'il y a d'autres nominés ici à Kinshasa, mais cette fois-ci, quand même, la province du Nord Kivu a été représentée. Par quel support vous atteignez cette population? Est-ce que c'est par l'ONG ou bien c'est en tant que Sarah que vous allez poser ces actes? Bon, en fait, je peux dire que c'est par tous les supports, en tant que Sarah et par l'ONG, parce que nous sommes tout le temps sur terrain, nous sommes à la rencontre de la population, plus particulièrement les personnes vulnérables, les personnes défavorisées, les enfants en conflit avec la loi, les enfants orphelins. C'est cette couche des personnes dont nous sommes toujours en contact avec eux. Les femmes qui font des œuvres sociales, il y en a beaucoup, hein. Pourquoi Sarah a été choisie? Bon, je ne sais pas, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui font des œuvres sociales. Qu'est-ce qui vous a démarqué particulièrement? Bon, particulièrement, ce qui m'a démarqué, c'est que nous, nous faisons plus des œuvres sociales, et puis on a plusieurs volets, et puis nous sommes tout le temps sur terrain. Je pense que c'est ce qui m'a démarqué par rapport à d'autres femmes. Nous savons tous que l'histoire de la femme est liée au pagne, parce que ce pagne l'a accompagnée la femme congolaise pendant ses beaux moments, pendant les moments difficiles. Et on voit aujourd'hui, à chaque cérémonie, il y a un pagne qui symbolise et tout. Est-ce que vous avez une histoire particulière avec Blisco Congo, Si, Blisco en si, si, général? si. J'ai une histoire particulière avec Blisco parce que c'est depuis l'âge de 18 ans, quand j'avais obtenu mon diplôme d'État, que mon premier cadeau que j'avais reçu, c'était un pagne Super Wax Blisco. Bon, à ce moment, c'est vrai que je ne savais pas qu'est-ce que c'est que c'était Blisco. Et puis, au même moment, j'avais reçu aussi un autre cadeau qui était pour mon 18e. Le cadeau d'anniversaire de mes 18 ans, c'était également un pagne Blisco. Et cela m'avait marqué parce que j'ai gardé ce pagne jusqu'à aujourd'hui et ça n'a jamais changé. Et La c'est toujours qualité. resté en qualité et ça a toujours été intact et ça garde toujours sa valeur. Et c'est depuis ce moment-là que je suis devenue fan Blisco. Vous êtes devenue fan de Blisco. En même Oui, temps, Blisco aussi oui. suit ces femmes-là qui se sont démarquées au sein de la société pour les nominer. Comment vous trouvez cette initiative? Quelle est votre lecture par rapport au fait que Blisco aujourd'hui pense à récompenser les femmes au sein de la société? Vraiment, l'initiative est vraiment encouragée parce qu'il y a des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires et puis il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas ce que c'est Vlisco, surtout pas au niveau de Kinshasa, bien sûr, surtout au niveau de l'intérieur du pays, là où je suis, au Nord Kivu. Oui, Il y en a général, les d'autres femmes femmes, disaient le pagne oui, wax, wax wax hollandais et tout. hollandais, et maintenant, on essaye de leur faire comprendre quand nous sommes sur terrain, parce que d'habitude nous sommes sur terrain en pagne, et on essaie de leur expliquer le pagne, la valeur du pagne. Et puis vous voyez même dans nos traditions, quand on va épouser une fille, quand on va verser la dot,
pour honorer la mère, la maman de la jeune fille, on lui amène toujours un pain supérois. Je pense que dans notre pays, c'est le cas partout. En République, en Oui. Afrique, bon, disons particulièrement En en RDC. RDC. Et je pense que je soutiens Vlisco dans cette initiative de toujours encourager cette femme-là, de ne pas se limiter là et de pousser cela de l'avant. Certainement, Vlisco vous a choisi parce que vous incarnez ces valeurs prônées par cette entreprise. Quelles sont les valeurs que vous-même vous reconnaissez en vous en tant que Sarah, femme active dans la société, femme active sur le terrain avec vos actions sociales? Qu'est-ce que vous avez comme valeur qui puisse attirer la susceptibilité de cette entreprise? Oui, comme valeur, j'ai d'abord le valeur de. Il est difficile de parler de soi, mais ça, c'est Oui, un exercice auquel vous allez vous soumettre. je vais me soumettre parce que c'est que les gens disent de moi, c'est que je respecte les autres et je suis toujours aux côtés des personnes défavorisées. J'ai cette compassion-là, j'ai l'humilité parce que ça ne me laisse pas indifférente de voir les autres souffrir. La souffrance des autres me rend vraiment aussi malade. Et j'ai toujours été aux côtés de la population. Et cette population, surtout, j'insiste, surtout les femmes. Parce que ce sont Pourquoi? les Parce femmes que qui la femme sont, a toujours été prise dans oui, une position de de faiblesse, c'est faiblesse. ça? Et puis, suite à la guerre qu'il y a eu chez nous, Oui. maintenant ça fait plus de 20 ans, vous allez trouver que c'est la femme qui est dans une situation de vulnérabilité. Parce que, en fait, c'est elle qui perd tout. Elle perd complètement tout. C'est elle qui perd son mari, c'est elle qui perd des enfants, ou bien c'est elle qui Elle-même, est elle est violée, violée, oui. elle est victime de toute forme de violence. Quand elle a perdu son mari, elle reste veuve. C'est la famille aussi, avec le poids de la coutume, qui essaye de l'ignorer, qui Toute essaye forme de de discrimination. de la déshériter, dont elle subit toute forme de discrimination. Et en fin de compte, c'est elle qui se retrouve la plus malheureuse dans tout ce qui se passe. Et c'est ce qui fait en sorte que nous sommes toujours là avec elle et dans cette partie de Finalement, l'Est. le fait que vous soyez nominé, est-ce vous avez un sentiment de satisfaction ou ça vous pousse encore à travailler le plus? Je sais pas. Oui, ça m'encourage. Ça m'encourage pourquoi? Parce que je me dis, quelque part, dont les gens voient ce que je suis en train de faire. Parce que quand Vlisco m'a nominée, je me suis dit, ah tiens, voilà. Donc moi, je pense que je fais ça sous silence. Et Il y a surtout que quand même, c'est à l'intérieur du pays. oui, à l'intérieur du pays. Et donc il y a quand même des gens qui reconnaissent ce que nous sommes en train de faire. Et le fait d'être nominée m'a encore encouragée à me dire, voilà, donc dans les années futures, avoir des projets pour ces femmes-là, pour ces enfants. Et pourquoi pas aller plus que ça. Goma, c'est quand même un terrain sensible, le Nord Kivu en général, suite aux Oui. guerres, comme vous l'avez dit, suite aux violences faites aux femmes. Est-ce que vous avez quand même des difficultés que vous rencontrez sur le terrain par rapport à vos actions? Oui, vous voyez, par rapport à nos actions, nous intervenons d'abord, je tiens d'abord à préciser là où nous intervenons dans le territoire de Masisi, nous intervenons également dans le territoire de Nyiragongo. Et c'est là où il y a plus de sensibilité et dans la ville de Goma. Parfois, nous sommes butés au problème d'insécurité. Ça, c'est d'abord le premier cas. Et puis, mais on essaye de se surpasser. On va sur terrain parce qu'il faut toujours être sur terrain pour être aux côtés de ces personnes, pour comprendre leurs véritables problèmes, leurs angoisses et maintenant étudier des pistes de solutions savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut trouver comme solution à ces problèmes. En tant que juriste, c'est vrai que vous avez eu à mener des actions peut-être sur le plan des plaidoyers, mais est-ce que vous pensez que la femme elle-même est impliquée dans le processus des recherches des solutions par rapport à ces discriminations dont elle est victime? Oui, pour le moment, je pense que beaucoup de choses ont été acquises parce que nous, dans ce que nous faisons, nous avons d'abord le volet assistance sociale. Nous avons également le volet juridico-judiciaire. Juridico-judiciaire, ce qui veut dire que nous avons une clinique d'information juridique. Et nous avons également le volet éducation environnementale.
Nous sommes actifs sur tous les volets. Là où nous sommes plus impliqués, c'est dans le volet de la clinique d'information juridique. Ce qui veut dire quoi? C'est que nous faisons, parce que nous, on considère, il y a deux phases, il y a le juridico-judiciaire. Nous allons sur terrain, on essaie de vulgariser les femmes, mais il y a aussi un autre problème, dans l'assistance sociale, parce que ça va de pair, on essaie d'encadrer les jeunes filles défavorisées, les jeunes filles orphelines, les femmes, d'abord par l'alphabétisation. Parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'ignorance extrême, surtout qu'elles n'ont pas étudié. Alors, ce qu'il faut faire, le minimum, c'est d'abord leur apprendre à lire, à lire et à écrire. Et quand elles savent maintenant lire et écrire, on les apprend leurs droits. On essaye de leur inculquer certains de leurs droits. Il y a beaucoup de sujets, il y a plusieurs thèmes, des sujets variés, le droit familial, le droit civil, le droit foncier, le droit environnemental et le droit de l'enfant également. Et puis après, quand elles savent maintenant, bon, c'est vrai qu'elles ne peuvent pas apprendre tout en même temps, là en ce moment, elles savent que si je suis dans cette telle situation, je peux réagir de telle manière, je peux aller rencontrer des juristes, parce qu'on a des juristes, il y a aussi des avocats et des avocates, je peux les rencontrer, leur poser mon problème, parce qu'il y a déjà un climat de confiance qu'il y a entre nous et elles. On essaye de créer des liens, parce qu'avec ces liens, ça met ces femmes en confiance et ces enfants aussi également. C'est ce que nous faisons. Et en même temps, dans l'éducation environnementale, on essaie de les apprendre. Vous voyez, avec le réchauffement climatique, on essaie de leur apprendre à faire, à protéger l'environnement. Oui, parce que la femme est accusée elle-même d'être La première destructrice de l'environnement. Mais on essaie également à l'apprendre, parce que la majorité des femmes chez nous, là-bas au Kivu, ce sont des femmes cultivatrices. Et puis, avec ça, on les apprend aussi l'agroforesterie, dont elle a un champ. Et nous également, dans notre organisation, nous avons un champ communautaire. Et ce champ communautaire, nous le faisons avec ces femmes vulnérables, ces femmes défavorisées. Et puis, nous les apprenons aussi des activités génératrices de recettes. Parce que quand on fait la formation des métiers, on les propose plusieurs formations. Ça dépend aussi de leur capacité. Il y a la coupe-couture, il y a également les tissages, tricotages. Vous prenez en compte le niveau de chacun, les aptitudes de chacun et de chacune. Et puis nous appuyons également les enfants orphelins par rapport au droit à l'éducation que nous sommes en train de promouvoir. Parce que nous disons, si on n'encadre pas ces enfants orphelins, demain, ce sont eux qui seront des délinquants. Parce qu'aujourd'hui, ce sont encore des enfants. Mais s'ils ne sont pas encadrés, on ne sait pas ce qui se passera demain. On essaie de les encadrer et puis nous leur donnons aussi des kits scolaires. Et on essaie de payer des frais. Mais pour le moment, nous avons 318 enfants orphelins à notre charge au sein de l'organisation. Et nous allons également dans le territoire de Masisi, de Niragongo, parce que vous voyez, avec la guerre, il y a eu le déplacement de population. Il y a beaucoup de situations de vulnérabilité et de pauvreté extrême. Surtout avec les enfants aussi. Surtout avec les enfants. On les appuie en kit scolaire. Mais ceux-là, on ne fait que des appuis en kit scolaire pour qu'ils puissent aller à l'école. C'est à peu près ça. Un mécanisme de suivi dans tout ce que vous faites. C'est juste vous jeter des bases. On a vu avec beaucoup d'ONG, ils commencent et puis après ils vous relâchent. Il n'y a pas de suivi. On revient à la case départ. Finalement, on n'a rien fait. On a un mécanisme de suivi. Parce qu'on a une équipe qui va tout le temps sur terrain pour voir comment ça évolue. Disons par mois, ils vont une fois à deux fois sur terrain. Il y a ceux qui vont dans l'axe de, comme je vous le disais tantôt, du territoire de Niragongo. Il y a ceux qui vont dans le territoire de Masisi, qui font la ronde de ces écoles, voir ces enfants vulnérables, parce que nous avons déjà les noms et nous faisons des suivis qui sont répertoriés et voir comment ces enfants évoluent. Et la plupart des cas, ce sont des enfants très intelligents qui réussissent bien à l'école. Sarah Lusenge, ça, c'est que vous vous faites. Mais qu'est-ce que vous, vous attendez de la société pour l'amélioration de la condition de la femme? J'attends beaucoup. J'attends beaucoup. Par exemple, il faudrait que, quand nous sommes comme ça sur terrain, par exemple,
que le gouvernement s'implique. C'est vrai que le gouvernement s'implique déjà, mais il faut que ça fasse plus. Et la société aussi, que les gens puissent nous soutenir. Parce que parfois, quand on le fait, il y a des gens qui ont des préjugés. Et, puisque vous êtes femme. Oui, puisqu'on est femme, et d'autres qui pensent que nous avons des agendas cachés quand nous sommes en train de faire ça, et pourtant que ce n'est pas le cas. C'est ce sentiment de compassion. Oui, parce qu'il y a eu des gens qui ont peut-être noirci votre image, qui ont terni l'image des ONG sur le terrain. C'est surtout ça. Mm-hmm. Et on veut bien que les gens puissent nous soutenir, même les autorités puissent nous soutenir quand nous sommes sur le terrain. Et ne pas avoir des préjugés, parce que ce que nous le faisons pour l'amour de notre pays. Parce que si cela arrive à cet enfant, à cette femme, cela ne veut pas dire que ça ne peut pas nous arriver. Nous ne sommes pas immunisés contre ce qui arrive. Mais quelles sont les responsabilités de la femme elle-même dans tout ça? Il ne faudrait pas finalement que nous soyons trop des victimes, que nous prenions toujours cette position-là des faiblesses pour qu'on puisse la brandir comme prétexte à ne pas travailler, à ne pas se lever, à ne pas bouger, à ne pas se rendre utile dans la société. Quelle est la responsabilité de la femme pour qu'aujourd'hui elle se rende utile, par exemple, pour les développements? Vous, on l'a vu, vous avez travaillé. Aujourd'hui, Vlisco vous a nominé en attendant qu'on sache qui sera, qui va rafler ce prix. Mais quand même, vous figurez parmi ces femmes qui ont été choisies par Vlisco. Ça veut dire que vous vous êtes démarquée par rapport à vos actions. Oui, que la femme doit faire? C'est ce que je peux dire. Surtout, il faut que les femmes ne puisse pas baisser les bras, qu'elle soit forte. Parce que la femme ne doit pas toujours apparaître comme une victime. Elle doit se prendre en charge. Et c'est ce que nous prenons par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire. Ce qui veut dire, quand nous apprenons des petits métiers à ces jeunes filles défavorisées, c'est pour qu'elles arrivent à se prendre en charge. Et moi, j'encourage toujours la jeunesse, mes petites sœurs et... Je dis petite sœur, c'est globalement. Donc moi, je considère toutes celles qui ont un âge moins avancé que moi, comme des petites sœurs. Je leur dis toujours de tenir bon, aller toujours de l'avant, ne pas baisser les bras et savoir que ce que les hommes font, les femmes aussi peuvent le faire, les encourager. Et c'est très important. Et que cette femme-là, qu'elle prenne conscience. Partout là où les mamans sont, partout là où les femmes peuvent être, il faut qu'elles puissent se soutenir. Parce qu'on a également constaté qu'il y a des femmes qui découragent les autres. Mais si elle est quelque part... En lingala, on dit « basi batonga mbokate ». Voilà. Si vous trouvez une femme qui a vraiment un poste de responsabilité, quand il s'agit d'engager d'autres femmes... Elle voit toujours en celle qui va être engagée, si elle a un niveau aussi. Une certaine rivalité. Mais il faudrait que les femmes puissent se tenir la main, se souder et ne pas avoir des rivalités. Si on est déjà dans un poste de responsabilité élevé, essayer aussi de tenir les autres pour les relever. Je pense que les femmes doivent s'encourager mutuellement. Il faudrait utiliser toutes les stratégies pour arriver à changer la donne. Quelle est la place de la parité pour vous, Sarah? Est-ce que ça vaut la peine de parler de parité aujourd'hui ou c'est juste un support légal qui puisse accompagner la femme ou c'est une utopie pour vous? Non, ce n'est pas une utopie pour moi. En tant que juriste, je m'y attendais. Oui, ce n'est pas une utopie. Je pense que la parité a une place. Parce que quand elle est effective. Oui, quand elle est effective. Mmh. Et il faudrait que les femmes puissent se battre pour cela. Se faire valoriser, se faire accepter par leurs capacités, parce qu'elles sont capables, toutes les femmes sont capables. Et il ne faut pas dire que moi... Parce qu'il y a certaines femmes qui disent que ce poste-là n'est pas pour moi. Ça, ce sont les postes des hommes. Par exemple, être pilote, avant, maintenant, c'est bien parce qu'on a des femmes ministres. On a des femmes généraux. Oui, on a des femmes généraux. Être, par exemple, mécanicienne, chauffeur de taxi, chauffeur de bus, occuper aussi des postes des hommes. Il faut que la femme puisse se valoriser. Je pense que ça a une place pour nous en République démocratique du Congo. Ça vaut la peine de parler de la parité en République démocratique du Congo. Mmh. En tant que nominée de Vlisco, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens peuvent attendre de vous
au cas où ce prix-là vous revenait. Au cas où ce prix me revenait, je l'ai toujours dit, j'ai dit, j'ai une vision, je continuerai à faire ce que je suis en train de faire et valoriser cette femme, la remettre dans sa dignité. C'est ma vision. C'est votre vision? C'est ma vision. Et puis, arriver à faire en sorte que ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est peut-être limité, mais peut-être que si je suis élue, accompagnée, oui. et j'aurai vraiment d'autres portes qui me seront ouvertes, et puis je ferai plus que ce que je suis en train de faire, surtout pour l'autonomisation de la femme. Que la femme arrive à se prendre en charge, à se faire valoriser et réclamer ses droits dans la dignité. Ce mois, c'est le mois de mars, le mois de la femme. C'est vrai qu'au départ, c'était une journée, mais en RDC, le gouvernement a pensé qu'il fallait étendre cette période pour essayer de maximiser des sensibilisations, des campagnes de sensibilisation à l'égard de la femme. Qu'est-ce que ça représente pour vous finalement, ces temps ici où on parle trop de la femme? Est-ce que c'est important ou il faudrait finalement qu'on arrête? Parce que certains estiment que l'idée première a été déroutée. Oui, parce que, bon, c'est bien parce que, bon, pour le moment, on parle plus de la femme. Mais il ne faudrait pas que ça soit seulement parler de la femme par plaisir. Il faudrait qu'il y ait quelque chose de concret. Que les femmes se mettent ensemble, qu'elles aient une vision par rapport à la situation qui se passe dans le monde, par rapport à la situation qui se passe dans notre pays. Puisque partout maintenant, les yeux sont braqués vers l'Est et il faut avoir un objectif. Je ne sais pas, ça fait longtemps que nous continuons à célébrer le mois de la femme, le mois de la femme. Qu'est-ce qu'il y a eu de concret? Oui, et qu'est-ce qui a été fait? Oui, on doit faire un bilan. Oui. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Et qu'est-ce que nous devons faire? Il faudrait quand même que nous ayons quelque chose et dire que par rapport au mois de la femme, on a fait ceci, nous sommes arrivés à faire cela, nous sommes arrivés à faire telle autre chose. Parce que moi, je me disais, ça c'était une idée qui m'est venue, je me suis dit, les femmes ont un problème. Surtout les cas que nous rencontrons à l'Est, les gens qui viennent nous consulter dans notre clinique d'information juridique, c'est surtout les cas des mamans, les femmes qui sont victimes des violences, je peux dire violences conjugales, familiales, psychologiques, surtout quand elles restent veuves, peu importe si c'est le mari est décédé pendant la guerre ou pas. Mais si elle n'a pas fait le mariage civil, c'est un problème très sérieux. Il y a une initiative à encourager de la première dame du Gabon. Oui. Je pense que nous devons aussi emboîter le pas, faire un plaidoyer pour qu'au moment où la dot est versée, que l'État puisse reconnaître cette dot, on légalise directement le mariage. Parce que quand la femme n'a pas ce mariage civil, elle a vraiment des problèmes. Elle est en insécurité. Elle est en insécurité. Sur le plan juridique. Oui, ça, elle est en vrai. Insécurité sur le plan juridique. Il faudrait qu'on ait des objectifs bien précis et qu'on se dise, c'est bien de fêter. C'est à vous, ONG, de mener des plaidoyers assez concret. Oui, il faudrait que nous puissions être soutenus également par les autres, parce que l'idée, ça peut venir d'une personne, toutes les mamans, qu'on se mette d'accord, qu'on fasse un plaidoyer, mais c'est déjà un projet. Parce que finalement, moi-même, quand j'ai fait des analyses, j'ai des moments où j'ai fait des bilans, comme ça je dis, Seigneur, nous avons fait beaucoup d'ateliers sur les femmes, beaucoup des campagnes de sensibilisation. Beaucoup. Pour quels résultats, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Il faudrait qu'à un certain moment, les femmes vous mettiez ensemble pour dire qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on n'a pas pu faire tel ou tel, réaliser tel ou tel projet et parvenir à tirer des conclusions pour pouvoir avancer. Parce qu'il faut qu'on se le dise, la jeunesse attend beaucoup de vous. Vraiment. Oui, la jeunesse attend beaucoup de nous, mais nous devons travailler ensemble, travailler en synergie. Vous-même, est-ce que vous avez des liens avec d'autres femmes, des ONG, nous avons, des partenaires? Nous avons beaucoup de liens parce que déjà au niveau de la province, nous avons à peu près 20 organisations dont nous travaillons en synergie avec les femmes, surtout les femmes, les enfants et les personnes vivant avec handicap, les femmes sourdes-muettes, parce que ces femmes-là, c'est aussi une catégorie des personnes vulnérables. Et nous avons aussi des liens avec des femmes ménagères, des femmes maraîchères. On a fait des partenariats
pour essayer de travailler ensemble. Finalement, plus de facilités ou des difficultés de travailler avec les femmes que les hommes. Que choisirez-vous? Non. Je pense que travailler avec les femmes, c'est bien. Travailler avec les hommes aussi, c'est bien. Parce que il doit y avoir complémentarité. Parce qu'avec ces ONG, c'est vrai que ce sont des ONG des femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont membres de ces organisations avec qui on a signé des partenariats. Mm-hmm. On travaille également avec les hommes parce que nous nous disons qu'il faut toujours associer les hommes à ce que nous faisons. Parce que quand on associe les hommes, ça nous valorise plus. Sarah Lusingye, êtes-vous fière et consciente aujourd'hui de porter l'étendard de votre province qui est le Nord Kivu à travers cette campagne menée par Vlisco sur le prix du mois de la femme 2015? Si, je suis fière de porter cet étendard de la province du Nord Kivu. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de vous? Ce que vous pouvez attendre de moi, c'est que je vais travailler plus. Parce que j'ai vu que le peu que j'ai apporté, ça produit des fruits. Donc, si je travaille plus, peut-être que ça apportera plus de fruits que ce que je bénéficie en ce moment et que ma province sera fière de moi. Il faut dire que le vote se fait par le public. Oui, le vote se fait par le public, par SMS mm-hmm. et par Internet également. Ceux qui sont intéressés vous donner vos voix, comment ils peuvent procéder pour vous donner cette chance? La campagne sera lancée, je pense que le début des votes, ça sera le 1er mars. Et ils passeront par le site, dans le site de Vlisco évidemment, mm-hmm. C'est www.dream.vlisco.com. Et il y aura nos profils, je pense que ça sera expliqué. Et pour les votes, ça sera au niveau des réseaux, au niveau national. Mm-hmm. Nous avons RTL, Vodacom, les réseaux de télécommunications, mm-hmm. RTL, Vodacom, Tigo et Orange. Il y a un code, il y a le code qui est là. Ok, ça c'est votre code? Oui, ça c'est mon code. Et il faudra envoyer le 42. Taper NL. Oui. NL, je pense, c'est comme Nzia Vake Lusenge. Ce sont vos initiales. Ce sont mes initiales. Ok. Envoyer au 42 58 85. Vous pouvez le répéter? Oui. Taper le NL mm-hmm. et envoyer au 42 58 85. Ça, c'est pour ceux-là qui voudront bien donner leur voix. Oui. À Sarah Lusingye. Vous avez longuement expliqué ce que vous êtes, oui. ce que vous faites et votre vision par rapport à la femme congolaise. Et surtout, bon courage et bonne chance pour cette compétition à laquelle vous êtes membre. Merci, Madame Frida. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission. Je vous l'avais dit au début, il s'agissait là du prix du mois de la femme organisé par Vlisco depuis 3 ans. Et pour ce numéro, nous avons reçu la candidate Sarah Lusingye, qui est basée à Goma, venue spécialement à Kinshasa pour cette campagne. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro de votre émission Femmes. Naza Mounia ya Mayora TV. Reportage na bisu ya lelo ekolobela bolé ipe kalite ya Mayora. Bola nangai. Ndeko, oyebite keza malamu te kosala ba mayonnaise boye. E bongo yo papa. Esengeli yete, osala mayonnaise ya kalite lokola Mayora. Mayora susini. Mayora eza mayonnaise ya kalite. Esalemi na ba condition hygiénique. Soko lingoye ba mingi, landanga. Toyambami epa ya Monsieur Nadim, directeur ya usine Oke Food. Yendi ako limbole la biso esalemeli ya produit Mayora. Mbote Monsieur Nadim. Mbote. Limbole la biso Mayora. Mayora ezali lolenge ya sika na momesano ya kolia ya ba Kongole.
Tolingi kopesa na bale inyoso, motindo ya kozala na eteni na ye ya mayonnaise, ya mikolo na mikolo, na lolenge ya bopeto makasi. Nasima kolimbo elabiso mayora, to bandi visite na parti technique, tina na yango nini? Local technique ezali bongo, esika ya motu ya mingi na kati ya bolambi ya mayonnaise na biso. Kunande, toko kontrole, peko sekurize biloko na biso, na kati ya bolambi na biso. Mibeko nini esengeli koto sapona kokota na esika oyo? Bato nyoso oyo bandima meli kokota na esika ya bolambi ya mayonnaise na biso, basengeli koleka na sas. Pona kolata elamba, sapatu, ekoti, ebombe lizolo, pe pona kosokola maboko na kokima.